Shalom mon frère, shalom ma sœur, que la paix du Seigneur soit avec toi. Aujourd'hui dimanche 11 avril 2021, que la paix, l'amour, la communion du Saint-Esprit soit avec toi. Le Seigneur nous a fait grâce encore ce matin, nous donnant le souffle de vie et nous lui sommes infiniment reconnaissants. Nous voulons partager ce matin cette parole du Seigneur qui dit dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 13, le verset 1, persévérez dans l'amour fraternel. Persévérez dans l'amour fraternel. Dans ce verset, on voit la continuité de l'amour, la persévérance, que l'amour fraternel demeure. Dans la version semée, on dit que l'amour continue pas à demeurer dans l'amour du prochain, l'amour fraternel. Continuez pas demeurer, continuez pas manifester l'amour fraternel. Et cela est le reflet de ce que nous avons en nous. Si tu laisses le Saint-Esprit faire son œuvre en toi, toi qui as reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, la Bible dit que le Seigneur te donne son esprit. Et quand tu laisses l'Esprit de Dieu prendre le contrôle de ton cœur, la Bible dit que l'Esprit de Dieu répand l'amour de Dieu dans notre cœur. Plus l'amour de Dieu est répandu dans ton cœur, le fruit que cela produira, c'est l'amour pour les autres. Et le fruit de l'Esprit, le premier fruit que l'Esprit, le Saint-Esprit, manifeste en toi, c'est l'amour. Galates chapitre 5, verset 22, c'est l'amour que le Saint-Esprit manifeste en toi. Et donc, la seule façon de pouvoir manifester l'amour de Dieu n'est autre que de pouvoir manifester, laisser le Saint-Esprit agir en toi. Tu n'as pas d'autre moyen de le faire. Tu ne pourras pas le faire avec ta propre force, mais laisse le Saint-Esprit manifester cet amour en toi. Donc, en laissant le Saint-Esprit agir en toi, prendre de la place en toi, en te laissant conduire par l'Esprit de Dieu, il n'y a pas de doute. Le fruit que tu vas produire, c'est l'amour pour les autres et la persévérance dans cet amour. Que le Seigneur te bénisse, mon frère et ma sœur. Je te souhaite un excellent dimanche dans la présence de ton Dieu. N'oublie pas, Dieu nous a aimés et ce qu'il demande de nous, c'est que nous puissions nous aimer les uns les autres également. Que le Seigneur te bénisse. Je te souhaite une bonne journée dans la présence de ton Dieu et à très bientôt. C'est ton serviteur, le pasteur Alexandre. Amen.